Gabonaise Gabonais, mes chers compatriotes, le 17 août 1960, dans la paix, l'union et la concorde, notre pays le Gabon, accédait à la souveraineté internationale. En ce jour, de ferveur et d'allégresse patriotique, j'ai une pensée profonde et une vive émotion à l'égard de feu le président Léon ba, père de l'indépendance, et de feu le président Omar Bongo Ondimba. Père de la Rénovation. En effet, malgré le temps qui passe, leur voix continue inlassablement de nous rappeler nos devoirs envers notre mère patrie, le Gabon. Il y a 64 ans, le premier président de notre pays, en proclamant à la face du monde l'indépendance du Gabon, s'adressait ainsi au peuple gabonais. En ces heures solennelles où notre pays va naître à son nouveau destin, je prie Dieu qu'il nous accorde la fécondité dans nos ménages, la paix dans nos cités, l'abondance dans nos campagnes, la sagesse et la vertu qui font la force des nations, c'est-à-dire l'union, la discipline, le travail et la justice. À cet instant où je m'adresse à vous, il est aussi de mon devoir d'avoir une pensée pleine d'humanité à l'endroit de nos compatriotes qui se trouve soit affaibli par la maladie, soit éploré par la perte d'un être cher, soit accablé par les difficultés diverses de la vie. Mes chers compatriotes, nos prédécesseurs précités et tous ceux qui ont animé la vie politique et publique de notre pays ont contribué à jeter les bases de l'édifice dans lequel nous évoluons depuis 64 ans. Ils représentent jusqu'ici les lumières qui ont éclairé notre chemin vers la paix, la concorde et la cohésion nationale. Aussi, je reste profondément convaincu que les errements regrettables de ces dernières années ne seront bientôt qu'un lointain souvenir de l'histoire de notre pays. Grâce au coup de la libération du 30 août 2023, notre destin commun a pris un tournant décisif, plein d'espoir. Tout comme l'expression de notre souveraineté à travers le monde est progressivement en train de se reconstruire. Gabonaises, Gabonais, au-delà des aspects festifs, je tiens particulièrement à ce que ce 64e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance soit porteur d'une signification particulière et fondamentale. Il doit être l'occasion pour moi de partager avec vous de manière très claire, mon idéal autour d'une seule pensée, qui sera notre cri de ralliement et de rassemblement à tous. Construisons ensemble notre pays. Oui, peuple gabonais, construisons ensemble notre pays. Cette construction ne concerne pas exclusivement les infrastructures. Il s'agit pour moi d'envisager quelque chose de plus grand et de plus profond. Que les routes et les bâtiments. J'entends faire émerger un nouveau type de Gabonais en formatant les mauvaises mentalités. À ce titre, il me plaît de vous présenter cinq objectifs majeurs résumés ainsi qu'ils suivent enraciner le Gabon dans l'état de droit, redonner à notre pays ses lettres de noblesse, garantir le droit à l'éducation. Et à la santé pour tous. Redonner l'espoir à la jeunesse. Restructurer l'économie nationale afin de garantir à tous une vie digne. Peuple gabonais, la restauration des institutions est la devise du Comité pour la Transition et la restauration des institutions. Elle commande que l'intérêt supérieur de la nation passe avant nos aspirations personnelles. C'est pourquoi la nouvelle Constitution, issue des recommandations du Dialogue national inclusif, constitue une opportunité pour construire notre pays. Dans les jours à venir, un référendum sera organisé et nous serons appelés à nous prononcer. Je vous invite à y participer massivement. Mes chers compatriotes, la restauration de la dignité du peuple gabonais passe également par la réappropriation de son économie. Pour atteindre cet objectif vital, il va falloir faire des choix et définir nos priorités. Tout d'abord, il est fondamental que le Gabon entre dans un nouvel écosystème de travail en s'appropriant les petits métiers qui sont d'immenses gisements de création de richesses. Ceci permettra de résorber significativement le chômage des jeunes. Puis, il y a la reconquête économique de notre souveraineté, qui passe par la maîtrise de nos ressources naturelles, comme bien d'autres pays ont déjà réussi à le faire. C'est dans cette logique que nous avons fait valoir notre droit de préemption. En rachetant la compagnie de production pétrolière Asala Energy, cette décision marque bien notre volonté d'accéder à cette indépendance financière recherchée. Gabonaise, gabonais, mes chers compatriotes, les autres secteurs de notre pays, que sont l'agriculture, le bois, l'énergie, les mines, le numérique, la pêche. L'industrie et le tourisme connaîtront les mêmes mutations ambitieuses que le secteur pétrolier. Toutefois, pour y parvenir, il nous faut mettre en place un cadre législatif solide, basé sur des lois fortes, gage d'un véritable état de droit. L'état de droit est bien plus qu'un simple concept pour le CTRI. Il est l'idéal de démocratie auquel nous devons tous aspirer. Il garantit notre liberté et notre justice en assurant à chaque Gabonais, quel qu'il soit, la possibilité de s'exprimer librement et de vivre dignement. Car il n'y a pas de démocratie sans liberté d'expression, mais également sans respect de la loi. Aucun pays au monde ne s'est développé dans l'anarchie et le désordre, ou pas l'injure et la caricature. Nos divergences d'opinion ou d'idées ne doivent pas nous amener à mépriser nos dirigeants, voire à dénigrer notre pays sur les réseaux sociaux. C'est inacceptable. Force restera toujours à la loi. Le Gabon a toujours été un havre de paix, le dialogue et la tolérance ayant été érigés en principe de gouvernance. Ce qui a fortement contribué à mettre en valeur sa diplomatie, plusieurs fois sollicité pour aider et accompagner des pays amis, en proie à des crises diverses. De cette culture de paix, minutieusement construite, précieusement entretenue, et si chère au peuple gabonais, notre pays ne peut servir de base arrière pour mettre à mal la stabilité d'autres États ou la quiétude des peuples frères et amis. En ce temps de transition, plus que jamais, la discipline qui caractérise les militaires restera un des éléments fondamentaux de la gouvernance sur lequel le Comité pour la transition et la restauration des institutions entend s'appuyer pour bâtir le Gabon nouveau. Mes chers compatriotes, c'est pour placer résolument notre pays sur la voie de l'état de droit que nous avons choisi comme thème de cette célébration de l'indépendance, le coup de la libération du 30 août 2023, une opportunité pour notre essor vers la félicité. Cette thématique très pertinente est pour moi une façon de souligner l'implication de l'armée dans la construction de l'état de droit et de la démocratie. Je m'en réjouis profondément, car cela donne tout son sens à notre action du 30 août 2023. Pour cette 64e édition de l'indépendance, nous brandirons avec fierté la capacité de l'armée à protéger nos concitoyens et à garantir l'intégrité de nos frontières. N'oublions jamais que la plus grande force d'un militaire réside d'abord dans son attachement indéfectible à la patrie et à ses compatriotes. Gabonais, Gabonais, mes chers compatriotes, encore une fois, construisons ensemble notre pays en mettant de côté tout ce qui peut nous diviser. L'histoire de notre pays, écrite depuis la nuit des temps par les mains de nos ancêtres, magnifie l'invincible espoir qui ouvre la voie à notre essor vers la félicité. Bonne fête de l'indépendance. Honneur et fidélité à la patrie. Vive le Gabon éternel. Je vous remercie.